Après Di Maria à l'extérieur du pied. Ça ne pouvait pas plus mal démarrer pour l'Olympique de Marseille. Regardez ce ballon qui est gagné par les Parisiens. Cette balle sublime, extérieur du pied gauche de la part de Di Maria. Regardez, prise d'information, extérieur du pied. Impossible à ce moment-là. Ça viendra de... Attention, cette frappe. Dans ce match contre Sochaux. Regardez la prise de balle. Son défenseur est dans son dos. Il ne peut intervenir. Il se décale le ballon. Regardez, c'est Maxwell qui est dans le dos. Il se décale le ballon sur son pied gauche. Il est redoutable. Dans le championnat, lors du match aller, remporté de Buzyn. Cette attaque qui prend. Il peut se faire une minute de jeu. On doit rester, sur ses appuis. Il ne pas combien de fois. On est dans la surface de réparation. C'est bon pénalty. Ibrahimovic qui peut lancer Cavalier. L'occasion. Le ballon récupéré par les Parisiens est de suite décisif. Regardez, on est loin. Passe de Zlatan pour Edinson Cavani. Ouais, mais qui est seul. Hein, il y a position de hors-jeu. Encore une fois, le 1 contre 1. Ibrahimovic, Mandanda. Et c'était le début pour monsieur Zlatan Ibrahimovic. Quelle classe. Regardez, hein, il part à la limite du hors-jeu, il attend, regardez comme c'est bien joué, il n'est pas hors-jeu, mais surtout les deux défenseurs, aucun n'est près de lui. Et passe décisive de Blaise Matuidi, passe décisive de Français, Blaise Matuidi, la conclusion est parfaite du Suédois, 50e but cette saison, 156 désormais. Du roi, mais non, parce qu'il est arrivé en roi et repartir en légende, la réduction du score de Michy Batshuayi, 4 buts à 2. Pour le Paris Saint-Germain, non. Non, c'est normal, on revient sur la décision pour l'instant.